Poussez où, Pambana? Il y a dormi, il y a grossi de. Voilà, vivant. Et d'où il y a giga de gnome à la crème, les gars. Anina, tu vas mousson. Bolosaim. Connectez-vous. Bonjour Yahoo. Baldé. Ah, aujourd'hui là, ça va. Hein? Les commentaires là, ça sort qu'on chape-chape. Je sais que vous vous ennuyez. Souley n'est pas en direct. Personne en direct. Donc, venez Yahoo faire basou. Ben non, on sait que vous avez pris goût. Vous nous aimez. Kafo, vous nous aimez. Kamara, bonjour. Caribé, c'est Caribé, non? Caribé, on dit quoi? Moi, je suis faux type, non? Inter, comment tu vas? Bon, pipez-moi le vieil Alassane Ouattara. Bah, moi, je ne me cache pas, hein. Quand j'aime, j'aime. Aïe, Alassane Ouattara, Amina. Dieu merci, il n'est pas chrétien, ils ne vont pas me dire qu'il est à l'église. Peut-être Fanta est parti, mais lui, il est musulman. Ah oui, il n'a qu'à venir. Amena, Amena, deux fois, nous, on y est, quoi. Voilà. Ça va, ah, mon Facebook, ça va, maintenant, je vois. Comment t'as vu, voilà. Sangaré, salut. Merci à toi aussi. La Chine Touré. Koné, Massé. Matamoros, eh, a trop de nids de la là. Eh, Nama trop là. Ceux qui ont les noms compliqués là, quand on fout de Moussa Yara, bonjour. Pareil, je ne pourrais pas vous répondre. La Chine, salut. Bon, nous tous, on a vu Macky Sall, ce qu'il a fait. Il y a des gens qui ont salué sa décision. Médecin après la mort. Il a sacrifié beaucoup de personnes. Il a tué plein de personnes. Après, il s'est recul... Après, il dit pour le moment qu'il n'est pas candidat. Voilà, je vais vous demander, vous allez m'écrire. J'ai vu, pareil, je vais improviser en même temps. Le gars là, le gars de MINUSMA là, au Mali là, quelqu'un n'a qu'à m'écrire ce qu'il a fait. Et puis après, ce qu'il a fait, pourquoi ils l'ont chassé, tout ça là. Vous savez, quand tu vis avec une femme blanche, tout change. Ah, je suis plus trop africanisé, je suis un peu maintenant un côté blanc. On va vous coloniser encore. Nanga Médicidé que vous connaissez. Amakouasake. Donc, Macky Sall a dit pour le moment qu'il n'est pas candidat. Je sais qu'il a un plan. Voilà, sinon c'est trop facile. Il a cédé parce qu'il y a eu trop de pression. Pression qu'à pression blanc. Aninwa Fafa Fasala, il est parti à la Mecque tout ça, mais c'est zéro. Là, il est venu dire qu'il va plus, que pour le moment, il ne va pas se présenter. Donc, moi, Alassane Ouattara, je le critique. Je l'allume et puis je ne suis même pas gentil avec lui. Mais c'est quelqu'un qui est encore dans mon cœur. Ah, la face, comment tu vas? Bon, quand je dis ça, bon, les gars vont appeler mes camarades pour dire non, Blené. Vous blendez, c'est un vendu, faites attention à lui, il va vous enregistrer. Donc, levez, moi, j'ai fait mes calculs, ce que j'ai trouvé, ça serait très très difficile pour toi qu'en 2025, que tu te prononces et que tu viens nous dire que tu es candidat. Parce que tu es le seul aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. En tout cas, parmi les apprentis de Macron là, tu es le seul à avoir la chance de faire troisième mandat. Bah, c'est pas moi qui dis troisième mandat. Même chez ton patron là, quand il parle là, ils te disent, ouais, le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Même les, comment on appelle ça, sur BFM là, ils ont eu à parler que la décision de Macky Sall, c'est à saluer, c'est un exemple. Bon, ils ont parlé de la Côte d'Ivoire. Ça m'a gêné, ça m'a découragé et puis ça m'a fait mal.
Donc, pour moi, ça serait très très difficile pour toi, Olivier, en 2025 là. Je te dis pas de choisir Sorin parce que lui, il a son parti. Voilà. Mais pour toi-même, ton honneur fait à cause de Dieu, il faut nous présenter quelqu'un. Seydou, salut. Ouattara. Seydou dit, je dis Seydou dit, tu as Adama Bitogo, il y a Kandia Camara, il y a Cissé Bakongo, il y a, en tout cas, c'est ceux-là que j'ai vus dans ton combat. Sinon, tous les Madou Bata là, les petits petits ministres là, les armes, quoi, les petits bâtards là, moi je les calcule pas eux là. Voilà, je parle de ceux qui ont mouillé le maillot pour toi. Voilà, parce que en 2010, non, en 2020, on nous disait que même si tu choisissais mouton, qu'ils allaient suivre le mouton. Donc, je t'interdis de prendre Patrick Achille comme ton successeur, sinon tu vas avoir affaire à moi. Ningi tu ni fable là, non. Patrick Achille, Adjumani. En tout cas, tous ceux qui ne viennent pas du Nord, parce que tous ceux qui ne viennent pas du Nord aujourd'hui, là, qui sont en RHDP, là, ils ne t'aiment pas. Ils sont là pour manger. Et je ne te propose pas Guillaume Soro, parce que lui-même, là, c'est un patron. Maintenant, là, je suis en train de lutter, parce qu'en 2025, parce que c'est dès maintenant, hein, c'est dès maintenant, tu dois décider. Parce que tu n'as pas le droit, et tu ne dois pas te présenter en 2025. Levé, 2025, ni qui présente à Maïnet. Et n'a qu'un bien craignant à le goulet. Bref, parce que je sais, parce que je suis un homme d'État comme vous, je sais pourquoi Macky Sall, il a renoncé, pour le moment là, il a renoncé. Il dit non, qui n'est pas dedans. Pression le Haut-Boyen. Et la garantie que les chefs d'État, les dictateurs, les anciens dictateurs là, parce que Ouattara n'est pas dictateur, lui, il protège son pouvoir. Les dictateurs là, on connaît. C'est la France qui leur donne le bon. Toi, il faut te présenter. Mais Dieu merci, avec l'arrivée des réseaux, on est là. Nous, c'est nous qui décidons maintenant pour l'Afrique. Alors, tu vas essayer quelque chose. Tu vas aller voir le petit Macron. Ah, petit. Bon, patron petit. Moi, je veux me présenter. Il va dire, comme ce qu'il a dit à Macky Sall là, qui est de la manière tension là, elle. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Voilà, c'est ce qui a poussé le gars d'abord à dire non, je ne vais pas me présenter pour abaisser le cœur des Sénégalais ou des Africains. Aturo, salut. Bosson, comment tu vas? Salut Ahmed Sanko. Donc, c'est ceux-là, c'est-à-dire, il a vu, c'est-à-dire, pour abaisser la tension, il a dit qu'il ne se présente pas. Mais peut-être qu'il va préparer quelqu'un, il va mettre ça là, c'est leur droit. Mais le prochain président du Sénégal, en tout cas, c'est chose comment on appelle ça, c'est Monsieur Sonko. Ce n'est pas Macky Sall et ni un proche de Macky Sall, parce que on va pas accepter, ça va pas passer. Donc je suis pas sénégalais, je parle de mon pays. Moi, j'ai encore de l'amour pour Alassane Ouattara. Oui, j'ai encore de l'amour pour lui. Levez. Quand je te vois fatigué comme ça, là, il serait là. Quand je te vois de la manière que tu es là, tu n'es plus Alassane Ouattara de 2010, ni de 2015, ni de 2020. Là, là, tu es fatigué. On prie Dieu pour toi, on prie Dieu pour que Allah nous donne longue vie. Mais la honte que tu n'as pas encore eue, là, c'est en 2025. Si jamais tu essayes de te présenter, le vieux Abinagbandé, en 2020, là, tu avais qui? Tu avais l'autre là, Alpha Condé. Tu avais Kaboré. Et le Mali, je crois, c'était un peu comme ça. Mais aujourd'hui là, tu es seul. Macky Sall s'est déjà retiré. Donc l'exemple, de l'exemple que l'ONU a parlé là, que la France a parlé là, toi aussi là, tu dois être un exemple en 2020. Alors pour ça là, je te propose mon tonton, si c'est pas Congo, le plus beau. Le remplaçant de Kofi Moi, mon tonton là, il a l'argent, il a dépouillé l'argent à l'université. Il faut aller te refaire ta beauté. Tu es là au coin, bon, et puis on dit tu gavoues le mec. Eh, Kofi Gadou, à tout intérêt.
Mais si c'est pas Congo, c'est un choco. Hein. Souvent, il porte le gros pantalon. Tu as l'impression que le président indien, là, de l'Inde, là, ouais, au Cruzibaba, c'est ça, il porte. Non, levier. Moi, ce que je te demande, voilà, Bilal, au nom de Dieu, devant Allah, tu es méchant. Tu veux même tuer Soro. Parce que si on te donne aujourd'hui, tu vas le gorger. Ah non, ça là, tu peux pas enlever ça dans l'autre bouche. Mais je t'aime encore. Le pouvoir là, faut jamais donner à quelqu'un qui ne vient pas du Nord. Parce qu'on dit, c'est toi qui choisis. C'est toi qui fais les gens présidents. Mais moi, j'ai déjà vu quelqu'un a déjà fait quelqu'un président. Guillaume Soro t'a fait président. Ouais, Moussa Yara, Yako, Corée du Nord. Et il faut laisser mon nom en paix. Voilà, toi, Moussa Yara, tu n'es pas cohérent. Donc, ici, moi, là. Donc, Patrick Hachi, Adjumani, Wallahi Bilal Alassane Ouattara. Parce que toi-même, tes militants, même là, ils savent que c'est pas bien pour eux. Ils savent. Parce que aujourd'hui, là, ton système a opposé les autres régions au nord. Ça, c'est clair. Moi aussi, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas RHDP, là. Tu n'es pas RHDP. Il y a faux éléments en Côte d'Ivoire. Donc, faut pas, on va se blaguer. Donc, il y a au Bouya programme, là, quoi. Patrick Hachi, là. Et puis, lui-même, il n'est pas ivoirien 100%. On veut plus d'étrangers à la tête de ce pays-là. Tous ceux qui ont deux côtés, là. Toi-même, on dit, tu es deux côtés. Bon, quoi, on dit, hein, moi, je dis pas. Bon, Gbagbo, pour lui-même, c'est sûr. Et puis, tu as bien fait pour Gbagbo. Il y en a trop là, hein. Gbagbo, il y en a Gbagbo trop là, ni Gbagbo. On dit, ce qui peut t'avaler, là, il faut éviter qu'il te lape. Parce que Gbagbo, il est aimé que toi, un levier. Surtout là où on est aujourd'hui, là. Le pays, tellement les gens sont fatigués de ta gérance. On voit que publicité de pont. C'est-à-dire, à part les ponts, les goudrons, là, il n'y a rien. On n'arrive même pas à se soigner. À cause de toi aujourd'hui, moi j'ai pris une femme blanche. Tellement je ne vais plus au pays. Bon, ni ma tuba mousso ta nya ke di. Iwa nam la tuba bou frou le. Ma ya faon. Kakanane ke frabe. Nya tuba bou iski. Ah, nous y a là. Ah, koni Johnny Massa koko ve djroubi là. Donc, en 2025, en 2025, le vieux, ceux qui aiment Alassane Ouattara, en podio salut. Ceux qui aiment, tiens, excusez-moi, je vois flou, non? Ceux qui aiment Alassane Ouattara, là, Aya Fouanyene, il n'a qu'à choisir Kanga. Il n'a qu'à choisir. Et c'est Bitogo même à faire, moi-même avec Alassane. Bitogo, lui, c'est un traître. Bitogo, là, Alassane Ouattara, Bitogo, c'est un traître. Je vais te rappeler ici. En 2000, là, Bitogo était l'un des conseillers de Guéï Robert. Et puis, ils ont voté, eux, et puis, où, là? Toi, ils t'ont écarté. Bitogo était dedans. Donc, faut pas le donner. Et puis, on dit qu'on veut plus d'étrangers encore. On a eu un Ghanéen, après un Béninois, Bédié. Après, on a eu un Malien, Gbagbo Laurent. Bon, toi, on dit que tu es Burkinabé. C'est pas moi qui dis, hein. Ah, Koko, moi, je suis Lili. Et puis, on a vu même un moment. On a vu un moment, on dit les petits-fils de vieux Draman, tes cousins, là, au Burkina. Mais, moi, je suis fier de toi. Toi, au moins, ton papa, on connaît. Gbagbo Afaké à l'unité. Bédié, Henri Kona Bédié, ou fait boigner. Et c'est trop flané que les non. Mais on nous dit que le papa d'Henri Kona Bédié, là, c'est ou fait boigner. Qui a été mon reboigner? Nous, on sait où notre grand-père, là, est enterré. Sendou. Non, Sendou. Sendou, c'est le nom. C'est, voilà, mon retour, le Bédié. Maintenant, Sendou. Moi, je comprends même pas. Attends, là. Hey, le vieux, I love you. Levier, donc Yé Savary, moi-même, je te demande pardon. 2025, là, ça serait une année de honte pour toi. Tu sais, ton pouvoir, là, tu as eu ce pouvoir-là en 2010, parce que Bédié, là, il a accepté de marcher avec toi. Tu peux nous mettre en prison, hein, les enfants du Nord, là, tu peux nous mettre en prison, tu peux tout dire de nous, mais il ne faudrait pas qu'on oublie quelque chose. Parce que le serpent qu'on avait dit, qu'on a tué là, toi-même là, tu es venu, tu as soigné serpent là. C'est pourquoi dans leurs propos là, ils disent quoi? Si le 6 devient 9,
Mais aussi, si, bon, quand on est tout ici, si, c'est que 9 vous l'avez dit. Le blanc, il a écrit 6, et puis après, il a fait 9. Autre, c'est qu'ils ont remplacé. Donc, si, si, faut, il était, c'est qu'à 9, il y a un bébé, toi, place, il est là. Donc, le vieux, c'est que moi, je te demande, il can y présenter. Mon vrai blanc, il faut mettre quelqu'un d'autre. Sinon, ça, là, Macky Sall a préparé une honte. Bah, je sais que même si lui, il revient demain, là, pour dire qu'il veut être candidat, là, peut-être, Sénégal, là, on va brûler ça. Parce que c'est pas son papa qui a acheté le Sénégal. Donc toi, on t'a vu ici, Macron t'a félicité. À cause de toi-même, là. Et quand Macky Sall a dit pour lui, Macron voulait féliciter. Il a dit non. Mais parce que, après, là, il peut changer. Il y a force majeure qui peut intervenir à tout moment. Donc, il a dit non, il va attendre d'abord. Donc, ce que moi, j'ai dit aujourd'hui, là, les gens, quand moi, je parle, je ris. Les gens pensent que je suis là, m'amuser. Non. Ne regardez pas côté où j'ai ri, là. J'ai dit à Alassane Ouattara, il a opposé le Nord aux autres régions. Plein qu'il a bobo qu'il a envoyé, là, entre nous, là. Ça n'a pas encore guéri. Je ne lui dis pas ici de choisir Guillaume Soro. Mais il peut laisser Soro en paix. Parce que à chaque fois, il est dans les trucs commencent à se compliquer pour lui. Il va dire non, c'est Soro. Bon, je sais pas, c'est pas lui, hein, qui a dit tout récemment, là, que c'est Soro qui a tué IB. Alassane Ouattara ne peut pas dire ça. Voilà. Alassane Ouattara ne peut pas dire à quelqu'un que c'est Guillaume Soro là qui a tué IB. Aïe au Kuma Bobobo Outro là. A Tese Kafo. Parce que qui était président? Ko Kumro Berom là. Ko Kimri Koum Tese Kachapo de Euro là. Qui dit que moi je ne parle pas français? Y'a vous traduit ça en français. On dit où il y a la tête là, je ne porte pas chapeau là-bas. Donc, affaire de la mort d'Ibé, là. Ibé, d'après vous, vos déclarations en 2010, en 2011, Ibé n'a pas été assassiné. Vous avez dit ici, Chérif a dit devant tout le monde, le président de la République, là, ce n'est pas Ibé, c'est Alassane Ouattara. C'est la dernière fois que nous, on vient ici, et puis on n'étire pas. Prochainement, si on vient là, on va pas calculer. Et puis, quand ils sont venus, ils n'ont pas calculé. Ils ont très Ibé. Et Mangou, qui disait que lui, il ne sait pas où Ouattara va passer pour être président. Alors, quand le vieux a donné ordre, c'est vrai, lui, il n'est pas coupé décalé, parce qu'il a coupé décalé. Maintenant, quand tu veux parler de quelqu'un qui est dans le mouvement de coupé décalé, tu dis qu'il n'est pas coupé décalé. Donc, comme Ouattara n'est pas coupé décalé, il n'est pas venu pour s'amuser avec son pouvoir. Alors, d'après eux, quand Ibé voulait être président, quand Ibé voulait être président, il a donné ordre d'aller le désarmer. Et s'il ne veut pas, il n'aura qu'à le désarmer par la force. Et Mangou a dit, le même Mangou qui disait qu'il ne sait pas où Ouattara va passer pour être président. Vous pensez que ceux-là, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut parler de la politique ivoirienne. Ceux-là, ils ne nous aiment pas. Hein. Il y a Bété, il y a un vieux vilain qui chante... Ah, vous les jaloux, quelqu'un n'a pas d'obéité, ou y'a bébé qui n'a pas d'obéité. Pourquoi? À nous, pour y'a la voix qu'à très très, voilà, nous, il y a veillé qui sur son nez, là. Tu veux tout, on va aller, mais là, ça lui les jaigri, ça lui les jaloux. Lui, là, il est bété. Lui, il est au RHDP. Dikawe est au RHDP. Tous ceux-là, c'est-à-dire, même au PPACI, là, il y a des djoulas là-bas, des nordistes. Donc, quand je dis que ceux-là ne nous aiment pas, là, ce n'est pas parole de xénophobie. Je parle des partis politiques et accompagnés de les gars qui sont un peu, quand vous allez voir, vous allez partir, quand Ouattara va tomber là, vous allez partir au Mali, vous allez partir au Sénégal. C'est de ceux-là que je parle. Moi, je parle comme eux, là. Voilà, Dori, merci beaucoup, Martial, merci beaucoup. Donc, faut pas, les gens vont dire, non, Blené, Gamane, tu parles là, non. C'est comme ça la politique ivoirienne. Alors maintenant, Côte d'Ivoire politique ibétélé. Donc, en 2025, le vieux, tu as encore le temps. Nous sommes en 2023. Tu as encore 2 ans et demi pour préparer un candidat au RHDP là-bas. Les vauriens là, les imbéciles qui sont en train de dire non, Alassane Ouattara ou rien là. Je parle pas de vous les militants là, parce que vous pouvez me frapper en ville. Je parle des cadres, les ministres qui ne savent pas, Ningamim, les Mbeto, Bissiko, Bobaralan.
C'est de ceux-là que je parle là. Les imbéciles, les incapables qui sont autour d'Alassane Ouattara là. En train de pousser le vieux là. Ça, Ouattara, Ouattara est venu trouver la Côte d'Ivoire. Et il va partir pour laisser. Nous tous, on est venu trouver la Côte d'Ivoire. Et on va partir, on va laisser. Vous avez compris? Donc le vieux là, si vous n'aimez pas Alassane Ouattara là, faut pas y avoir bande de vauriens, nyamro denlou. Vous venez là, oui, à la salle. Quand tu vois Adjumani même, tu es en train de pousser le vieux à la honte. Tu es en train de pousser le vieux. Le vieux ne peut pas. C'est parce que vous, si vous voyez aujourd'hui, le vieux ne peut pas choisir quelqu'un parmi vous là. C'est parce que parmi vous, les imbéciles là, personne n'a montré au vieux qu'il peut compter sur lui. Vous êtes tous aujourd'hui des businessers, nyamro denlou. Vous êtes tous des guiseurs aujourd'hui. Bakina Bolu, en train de là, ouais, présent Ouattara. Bon, Oufoué est parti. Ça veut dire que tous les présents vont partir. Tous ceux qui ont succédé à Oufoué là, tout le monde va passer un jour. Donc le jour Alassane il n'est pas là. Je ne dis pas qu'il va mourir, hein, mais le jour il n'est plus au pouvoir là. Donc la Côte d'Ivoire pour vous, elle va s'arrêter. Hein? Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas s'arrêter. Parce que Ouattara n'a pas trouvé la Côte d'Ivoire à l'arrêt. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas s'arrêter. Mais on peut revivre encore le passé. Si Ouattara ne fait pas attention, lui-même il serait humilié. Parce que quand toi-même tu dis à quelqu'un, il faut partir là, tu ne peux pas oublier ton chargeur. Non, quand tu dis à quelqu'un au revoir là, tu ne peux pas oublier ton chargeur. Mais quand on te chasse dans la maison de quelqu'un là, tu peux oublier ton chargeur, même ton sac même. Parce que bon, la vitesse il est. Tout ce qui commence à tout ce qui commence à une fin. Ouattara, il a été puissant, mais il est puissant, mais il va pas être puissant éternellement. Ça va changer un jour. Inunga nyamuro tenu de Sonia Lila tomba crève. Alassane Ouattara, vraiment on a eu la chance. Alou nyamuro tenu, vous ne pouvez pas être une chance. Hein? Vous là, vous ne pouvez pas être une chance pour nous aussi. Et puis, qu'est-ce que vous faites de réconciliation même, vraie réconciliation même? Parce que on a remarqué en Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas RHDP, tu es mal vu. Et c'est vous qui dites aux gens que, ouais, on est réconcilié. Ouattara, faut pas mettre le nom de Gbagbo là. Sinon, lui, là, tu le mets là, il va te gagner. Tu as donné occasion à Gbagbo là, il va te... Bon, billets, tu n'es pas aimé plus que Gbagbo, Laurent. Mais moi, je t'aime. Je n'aime pas Gbagbo, hein. Mais faut pas, on va se mentir. Ah ouais. Mais, ça veut dire, à faire des pommes même, c'est petit. Il faut faire à Bakad Abidjan, faut tout enlever, à Bentouka Eliko, gratuit. Tu mets Gbagbo, c'est que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu mets Gbagbo là, pour dire, non, pareil, les gens vont te pousser. Tu mets Gbagbo aujourd'hui là, à Ben Nigagné. Et Nigagné, parce que Wamolu Nintoro, vois-tu l'occasion qu'on envoyait dans le pays là, il a perdu tout trait. Partout où les pauvres pouvaient s'en sortir là, il a perdu tout trait. Tu as mis radar partout dans Abidjan là. En tout cas, Marfata, il est au nord là, qu'il faut écouter le nord là. Alan Pouli, il est au nord, il y a eu l'eau là. Mais il y a Radab, l'Abidjan. Abidjan là, il est allé à Abidjan. C'est pourquoi j'étais content la fois parce que quand j'ai vu la pluie à couper, route que tu empruntes pour aller à Sini là, à qui a sera clé, j'étais trop content. Moi, ah, peut-être il va au nord. Mais tout ça là, il m'attend au nord là. Quand tu cherchais le deuxième mandat là, 2010-2015 là, tu étais toujours à Daokro. Il était dans le nord là, il était à Sieni. Hein? Il faut aller au nord. Bon, ni le goût, mais valeur d'innovation. Si toi-même, là, tu donnes pas de la valeur à nous, les nordistes, là-haut. Les gens sont là, tu vois, ils ont porté t-shirt d'Alassane Ouattara. Mais quand tu les regardes en photo, tu sais que lui, là, il est miséreux. C'est comme ça, on dit, non? Miséreux. Allez, le mec. C'est qui est Agalon? Mais ceux qui comprennent français, là, Agalon. Ceux qui ne comprennent pas français, ils vont dire, qu'est blené, là. Il parle français, maintenant, là. Tu vois? Donc, Ibi Gidjano, 2025 là, il a fois il est mouronné, qu'on n'a pas besoin de toi. Ceux qui sont devant là, tes haut-parleurs là, ils vont venir faire croire aux gens que la Côte d'Ivoire a besoin de toi. On en a marre de toi. On est fatigué. Et puis, quand tu vas faire encore, vouloir faire encore troisième mandat là, quatrième mandat là, c'est-à-dire tu vas violer encore la Constitution. Bah, là, là, tu es dans violation. C'est pourquoi quand il est à Gbagbo Laurent là, non, Ouattara, il est mauvais. Mauvais, allez où? Tu savais pas que il est le mafoué encore, ouais, troisième mandat, man. Il est daté tout là. Ninka, Ouattara, tout le monde, dans la bien, mais dis bon, nunca. Il faut même pas écouter les gens.
Moi, je te dis pas ici, il faut prendre Soro, hein. Pas Soro là, c'est pas quelqu'un même que tu peux prendre. Pas lui, mais de la manière tu es patron là, lui, il est patron comme ça. Donc, je dis, il faut choisir quelqu'un au RHDP là, et puis on va voir. Bon, vous voyez aujourd'hui, vous avez crié au nom. Quand tu parles d'une famille, et puis tu vois tout le monde parle au nom de son papa là, c'est que tous ces enfants là, c'est des vauriens. Il n'y a pas de successeur dedans. Le vieux ne peut pas compter sur. Peut-être que Kanga, peut-être le vieux peut prendre Kanga, mais Kanga est mousseux. Elle aussi, elle ne parle pas bien le français. Ah, tant pis. Bon, il est où, Coco? Tu as été. Quoi, tu vois? André. André, sans se bêter. Il y a tout dedans. Nous, dans le gouvernement, il est à la dame, André, à Beléba, là. Sinon, il pensait qu'à Kanga, t'as qu'à Bla. On est déjà habitué. Tu peux mettre Kanga. Sinon, tous ceux qui viennent d'arriver là, et puis le gros bâtard là, Michelin, comment il s'appelle là même, porte-parole de gouvernement là, gros lâche là, trou du cul là. C'est-à-dire, lui là, sa foule là est levée. Je préfère même Gbagbo que lui là, il va t'en passer. Lui, il est là pour accompagner seulement bande de moutons là. Et non. Et puis quand je vois, ils ont des nouveaux vidéomans maintenant. Ou ben, sera mort à toi. Tu les vois sur TikTok. Auto, photo, bla. Ils passent les tables. T'as mercon, t'as comme ça. N'est-ce pas, qu'elle a dit. Il y a un autre, t'es trop sur. Ibi ou Kumuroli là-bas. Tu mets ta face de maître là. Pour parler. Tu devant la salle, on va travailler. Puis t'es caché. Et c'est ma fille qui m'appelle là. Elle t'a appelé après. Merci à toi aussi. Bon dimanche à toi. Donc, aïe sabari quoi. Akana le vieux poussé Younous. Akana le vieux poussé Ibe le français. Akana le vieux poussé Kafoukwa et quel candidat. Le vieux serait là. Vous-même, vous le voyez aujourd'hui. Même si, bon, en tout cas, être président, Ouattara même nous a dit qu'à 75 ans, là, être président, ce n'est pas facile. Mais je ne sais pas pourquoi il s'est mis. C'est à cause de vous, là. Adjumani Nyamro Denlu, Oni, le Patrick Hachi, là. C'est tout ceux là. Vous avez poussé le vieux jusqu'à il est là aujourd'hui. Bon, on est en 2023. Dans un an et demi même. Élection Benalla. Oh. C'est-à-dire aujourd'hui là, bon, je vais vous poser la question. Parce que Alassane Ouattara, le président, son excellence Alassane Ouattara nous a dit que pour former quelqu'un pour être président là, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, là, dans vos camps, là, on ne voit pas qui le vient à préparer. Bon, comme c'est un homme de surprise, là, il est fort dans ça. Sinon, il nous avait dit en 2017 qu'il avait formé 4 jeunes. Bon. Je suppose que parmi les 4, là, paix à son âme, il y avait Ahmed, il y avait Ban Koulibaly, paix à leur âme. Bon, maintenant, il reste 2. Peut-être qu'à la dernière minute, avant nous l'avons qu'au loup, là. En tout cas, c'est pas, en tout cas, ceux qui sont formés, là, les deux qui restent là, quand je regarde autour de lui là, je ne vois pas un dedans. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Madou Ben, voilà, merci. Ils ne sont pas prêts. Il n'y a personne qui est prêt dans l'équipe d'Alassane Ouattara là. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Le vieux, Wallahi, il dit déjà, on dit, il n'est jamais trop tard. Il faut rentrer dans l'histoire. Tu vois, Oufou Boigny, là, il n'est plus, hein. Vous avez mis un mouvement. Madou Damelé, salut. Vous avez mis un mouvement au nom de Oufou Boigny. Vous faites appeler aujourd'hui RHDP, les Oufouettistes. Parce que Oufou est rentré dans l'histoire. Ta candidature va, ça dit, va provoquer des morts en 2025, là. Parce que les Gaules, là, ils sont prêts à aller au charbon. Je dis pas qu'ils peuvent vous gagner dans Niara, hein. Mais vous allez faire des morts encore. Parce qu'ils vont parler. Gbagbo est là. Tu ne peux plus le faire sortir du pays. Et tu sais qu'à là-bas, les gens vont sortir et puis ton nom va se gâter. Il y a trop un attien. Bon, là, à partir de là, là, tu es rentré dans l'histoire, mais de la mauvaise manière. D'abord, pour que tu sois président, pour que tu sois accepté pour être candidat, il y a eu des morts. Quand tu as gagné les élections en 2010, des mois avec la rébellion, quand tu as gagné les élections en 2010, il y a eu plus de 3000 morts. En 2015, il n'y avait pas de candidat puisque
tous les sourds là, j'étais avec toi, les bédiers, tout ça là. Babou était en exil, en prison. Et il n'y avait pas chose. Mais avec tout ça là, tu as eu besoin de la force d'Henri Konan Bédié et les Guillaume Soro pour que tu sois élu en 2015. Après 2015, 2020, il y a eu des morts. Donc les morts là, les 300 et quelques là, les gens qui nous pilotaient là, qui étaient devant nous là, les Afinguessans, les Mabritoakeuses là, ils sont aujourd'hui avec toi. Levé, il dit, regardez, pour voir ça là. Bon, j'ai dit, il ne faut pas te présenter, mais tu as oublié de te présenter. Sinon, ni Kapop, si, pardon, ni Bola. Bon, ça là, si c'était chez moi à la maison, à qui j'ai demandé pardon? Mais à fond si tu as fait erreur, pouvoir là, t'as échappé. Tu vas faire à galop. Malgré ton âge, hein, il y en a à galop, okay, de la garde de Steve jusqu'à Zika. Il vide de Bédigui. Il va t'a chargé quand il y en a Brana. Bousman nous l'a Brana qui pour nous. Pepe a c'est lui. C'est-à-dire, tu vas prendre chez Zika, chez Steve, et puis, il va la pousser. Quand là, il y a quatre avis de jouer à Gary là. Le vieux, non, qui te fable là, non. Ils vont pas te laisser. Le vieux, tu es mal barré, hein. C'est-à-dire, le vieux, tu es mal barré. Mais quand on parle, les gens se disent que, ouais, Niala, la force que tu avais avant pour sauter clôture là, au Bana. Même dans la piscine, même là, tu peux plus naviguer. Il te disait qu'il plongeait tout nu. Fangawa baon. Même nous-mêmes qui t'avons supporté même dans le passé là, aujourd'hui même là, nous là, la force qu'on avait avant là, on n'a plus ça. Et puis tu ne trouveras plus un jeune au nord qui va s'engager pour toi te défendre. Vu que ce que tu fais à Guillaume Soro aujourd'hui là, moi aussi t'es là qui fais bien. Ah, vidéo, n'a pas pour moi, t'as dit levier, madame. Levier, moi je t'aime, hein. Ni moi qu'a dit, il y a qui un problème de ce qu'a réglé manquant. Ouais, t'as oublié, comment tu vas? Sahara, salut. Ah, blené, et puis les gens sont fans de moi. Oh, hey, joli garçon. Bon, vous voyez, c'est ça là, moi, j'aime pas chez vous. J'ai rasé barbe là, tout, pour voir si vraiment, c'est-à-dire, vous tenez vraiment à moi. Bande d'hypocrites. Il n'y a personne qui a dit, ah, Joe, ton visage a changé, tu es devenu comme ça. Et puis après, c'est pour venir dire, ouais, tu es un 10, bande d'hypocrites. Aya Fofroni, écrivez d'abord, non, beau gosse. Et puis on continue. C'est dimanche, on ne travaille pas aujourd'hui. Ah, moi, d'où, le pranafra. Tiens, il dit, tellement je suis fan de moi, je m'appelle et puis je réponds. Donc, moi, d'où, non, moi. Même quand je m'appelle en anglais, même là, Mister Mémé dit, yes! Ah, c'est pourquoi Madou Nyana, sinon ni ma vidéo n'était que fable là, non, c'est que là, qui est très loin de revenir là, quand Ibrahim Sall, merci beaucoup. Richard, ah, même là, quand même là, je suis fatigué. C'est trop tard. Amra, comment tu vas? Donc, le vieux. J'ai dit au vieux, tout, ça dit, tu as entouré que des bras cassés. Au nord, là, il n'y a pas un jeune encore qui va taper poitrine pour toi. Et il m'a dit à Soro, là, il m'a dit à Dion, là. Mais je sais, l'histoire de Soro et Ouattara, là, c'est des gens qui ont mis le feu. Ils avaient intérêt à voir Guillaume Soro hors du pays. Mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Vous avez envoyé loin, mais lui au moins il arrive à bouger aujourd'hui. Vous voyez? Ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas bien. Sinon, publiquement, Levier, il a eu à dire à Guillaume Soro, vous savez, on a des enfants qui sont rebelles. Non, il y a des propos qu'on ne tient pas, même si ce n'est pas dans le sens être rebelle pour prendre les armes. Sinon, Levier, toi-même, tu as été rebelle un moment. Quand quelqu'un, il refuse quelque chose, là, à partir de son refus là-même, là, c'est-à-dire, si on dit, ah, il s'est rebellé. C'est-à-dire, rébellion n'a pas besoin forcément de prendre les armes. Hein? Non, tu en bas, il y a d'abla, quoi. Il faut, il y a qui tout quoi.
Si on a bébé te met à fion l'endroit et puis faut éteindre. Et puis c'est Fandagbe, tous les jours on tape sur ton mari là. On dit derrière un grand homme là qui se cache une femme de fait. Toi tu n'es pas bien. Il est Fandagbe mais mon bref tu casse bien bien les Fandagbe. Toi tu peux pas dire à ton bébé chou à la maison ah levier bébé chou avec tout ce qu'on a traversé avec les jeunes là faut te calmer. Il faut laisser. Mais tu as le courage de dire à la salle Ouattara, faut laisser Gbagbo rentrer. Faut laisser tous ceux-là rentrer. Ceux qui ont tué les Ivoiriens, là, ils sont dans le pays, là. Toi, tu es là, aïe, à magasin, il y a trop blanc, tu es au cochu du Rwanda, Africa, ou bien quoi, là. Je n'ai pas encore mangé, je ne sais même pas comment il a prononcé le nom de son ONG, là. Quoi, tu es au Clun Rwanda, Africa, ou quoi, Africa, là. Truc des bébés, là. Ce qui a créé beaucoup de microbes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quoi, protège les enfants. Et il est Nyanana. Il est quelqu'un qui lève la mobile coffre qu'on a l'homme là. Hein? Il est quelqu'un qui lève la qui a la ligue à mobile qu'on a. Quand le jour où ton mari a sauté au clôture là, vous avez oublié ce jour-là. Kabla et Liko qu'on a Kabournaï. André, ils sont allés vous braquer même. Ah, il est qu'à Sébé, mais c'est qu'à Kra. Sudron of Africa. Voilà, merci beaucoup. Ça va. Algou Nyanala ni Peko, Djouret Algou la force au. Milou Kachouba, Olougoube, Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait coup d'État, dissous les institutions là, ils sont dans le pays là. Mais les sous dessous là sont au pays, mais en prison. Merci, Sal. Les sous dessous là, eux, ils sont en prison. Tous ceux qui t'ont aidé, ils sont en prison. Ainsi, c'est Soro qui a fait les 3000 morts. Ce n'est pas Soro. Levé, on nous dit non, c'est Soro qui doit demander pardon. Je dis bien, on nous dit que c'est Soro là. Il doit demander pardon. Mais Levier, toi-même, tu fais quoi pour qu'on demande pardon? Faut libérer les Soul là. Si tu as pu libérer. Parce que, à mon avis, là, si Soro doit demander pardon encore à quelqu'un là, il doit demander pardon à Gbagbo. Parce qu'il a fait que Gbagbo a perdu le pouvoir. Il s'est retrouvé en prison. Mais toi, tu as remplacé Gbagbo. Tu es président jusqu'à aujourd'hui là. Il a tué qui? Allez, Afraligen. Soro Afraligen. C'est pas Guillaume qui a tué. Et puis, depuis qu'il est quitté dans ton lot, là, il n'a jamais tué. Il a tué qui? Quand tu lui dis qu'il est terroriste, là, son passeport, là, du diplomatique, là, qui annule, là, tu dis aux Américains qu'il est, à quel moment il a été terroriste? Mais s'il a été, là, fruit de terroriste, là, c'est ça, toi, tu t'as, c'est ça, là, pourquoi bon, c'est ça, là, toi, c'est ça, là, tu manges aujourd'hui. Je reviens encore, sur sa femme. Fanabé. Il mène à Côte d'Ivoire, il tient du lalé, il a du akamé. Ils vont te traduire ça là, Koufalagbe. C'est escroqué à Katimi Mourodola. Vous voyez chez nous à Divo là, on hébergeait souvent les gens qui ne viennent pas du Nord, les jeunes Dida là. Et ils venaient à l'école, on les prenait, on était leurs tuteurs. Il y a nos. Il est toi Fanagbe là. Voilà, les gens venaient chez nous. Quand ils viennent comme ça, à cause de manger, ils deviennent Dodo Afoka Lutroko Moussa. Obedo Sramaya là. Ils deviennent musulmans à cause du douri de la maison. C'est ce que toi Fanagbe tu es en train de faire. Le nom Fantagbe là, c'est parce que tu gagnes bien ta vie en Côte d'Ivoire. Qu'aujourd'hui là, on t'appelle Fantagbe. Sois-nous l'île. Il t'a nyamroma, tu es méchante. Tu n'es pas gentil, hein. Il est Fantagbe là, tu n'es pas gentil. Parce que si tu étais bien là, ton mari là, il allait être gentil. Bah, tu es une mauvaise femme. Wale bilay. Imagine. On met tout sur le vieux là, mais toi là, toi, t'as pas de vérité dedans. Et puis tu n'es même pas jolie même. Oh, tu énerves trop les gens, quoi. Tu viens. Ton mari est en problème avec les. Ça dit, c'est bon petit. Mais il faut calmer. Mais tu fais pas ça. Là, Maman Thérèse, quand elle vient là, tout le monde, ça dit, tout le monde veut toucher Maman Thérèse. Tout le monde. Mais il est flâneur, Koufandagbe. Et c'est toi qui vas donner sucre aux gens. Il sera mal les billets. Alors, il faut que tu aies là. Ouais, il est laid de prier. Ah, moi, il est laid pour moi. Ah, le blindé. Ah, ok, alors, Soutra. Ah, dormant, ça, là, il Soutra. Faites doigt pour moi maintenant. J'ai fini. Ah, doigt au cœur.
Jagadija, à la force là, on avait un son là. Jagadija, pour le temps, le son là. Il y a quelqu'un qui savait, Ninga voix là, avait la fâchée. Jagadija, pour le temps, Vicky, comment tu vas? Non, je dis pas, Léon, je dis pas de me remercier, je dis fais doigt pour moi. Momo Dia Kelly, comment tu vas? Aïe, donc, ah, Dormando, Alboussa, Ali Soutra, merci beaucoup, Lassina Sissé. Amina, toi aussi. Ah, Mwadou, Ali Soutra, Negadrou, Ali Soutra qui boit la sani à Baniluma. Amina, et puis, à quand il y en a un patron Diagode, Soro. Ah, pour Madou, il patron Diagode, Soro, Alboussa, Allah ya Soutra. Allah kana to Allah sani ya Soro. Mais Allah sani de haut doit y rejabila kabon. D'amener les vieux du Nord là. Qui portait jacket à un moment là, serait venu du beau, porter maintenant Boubou là. Les drogues qu'ils ont fait là, parce que le vent qui est passé dans eux là. Bon, moi comme ça là, tu as été fâché contre moi. C'est que tu es dans le problème. Ben, quand moi je sais que tu es fâché contre moi, c'est ça qui me. Regardez le gars là. Bon, aujourd'hui j'ai parlé gentiment, j'ai pas parlé mal de Babou. Babou c'est mon vieux père. Mais sur le plan politique, Ninkatou est faible là, non. Voilà, Dominique Ouattara. Tu peux dire à ton mari de ne pas mettre le nom de Babou. Ça, c'est bon. Parce que c'est eux-là, ils ont fait que toi, depuis que tu es né, tu n'étais jamais monté dans le coffre. Au cas où je n'ai pas balle du canard. Allah, il y en a avant. Babou, tout le monde. Que non, on va. Que le nom de Babou va être sur la liste. Ah oui, Blanc, on a dit. On va lutter pour que son nom là soit sur la liste. Non, nous coup d'État là, on n'aime pas. Le coup d'État mandat. Vos cyberactivistes là, vous prenez exemple sur qui aujourd'hui au Mali. Mali, Burkina, Guinée, quand ils voient vos cyberactivistes là, ils parlent de coup d'État là. Ah, c'est bien, ils veulent faire coup d'État à Assimi Goïta. Assimi là, est-ce qu'il a été élu? Il n'a pas été élu. Normalement, quand on dit on est démocrate là, tout ce qui est coup d'État là, on ne félicite pas. Gbagbo même là, premier coup d'Étatiste de Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Non, c'est dimanche. Il ne doit pas parler de lui. Il doit être à l'église. Si jamais. Babou est dans l'église là-haut. Wadou, souvent quand il parle comme ça là, vraiment, moi, je suis content. Mais je ne fais pas exprès. Je ne fais pas exprès. Ça vient comme ça. Nous, on ne force pas. Vous allez voir, femme blanche, tiens, comme tu vas mousser sur Bemangu, à tenir quand même, n'est à l'état même. En aller qu'à ta fois, n'est pas quoi, à quand fois. On va créer une langue entre nous. À ta donne, à Nyraminona. Et puis, on va avancer. Amina Yarabi, Léon. Bon, il est l'heure de prier. Fais vous faire tous ceux qui sont musulmans ici là. Namata, bon, en nous c'est Ratiléa. Vous savez, nous on vit en Europe. Nous nous prions et puis pour vous là. Quand je commence à transpirer comme ça, c'est qu'il y a des gens qui ont chaud là-bas. Moi, je sens la chaleur ici. Parce que quand j'énerve les gens, dans mes vidéos, c'est vrai, ben. Voilà, quand j'énerve les, quand je vois que je transpire là, c'est qu'ils ont mal là-bas. Et ils ont mal, mais c'est moi qui transpire à leur place ici. Ah, le mois d'août. Et puis, tout à l'heure, ces plaques, non, ces sauces graines y est mangée. Et quand on mange chez les gens là, c'est doux. Ils te fouillent, ça là, tu payes rien. Et puis, tu as le droit de te plaindre. Non, ça là, j'aime pas. Ça là, j'aime. Déjà dit, il est 11h ici. Déjà, toi, t'es où? Mustapha Diaby, salut. Non, à voilà, ça il n'a qu'à choisir un candidat pour le RHDP. À Kanibla, là, sinon. À main quoi, avec la caméra, quoi. Moi, c'est quelqu'un que j'aime. Moi, là, c'est que je vous dis, même mon boss, là, il vient au pouvoir, là.
S'il fait des trucs qui ne sont pas bons là-bas, on n'est pas parfait. Moi, je vais le critiquer. C'est une manière de dire, ah, patron, ça là, les gens vont pas aimer. Donc, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Et je sais qu'il va changer. Mais Alassane Ouattara, quand tu le parles là, on dirait, va falloir n'y aller le quoi Levé, tu es comment? Attends. La fois passée, j'ai réfléchi. Il faut accepter ton nom, Adora. Alassane Ouattara. Tu vas voir. De la manière dont on t'a aimé au début là. Toi, tu étais un homme de paix avant. Mais je sais pas pourquoi tu as changé. Depuis que tu as enlevé D là. Ça a tout dégradé en même temps. Dès là, il n'y a pas de... Dès là, tout gâté. Puis... Attends là. Ah, tu es en Côte d'Ivoire déjà. Ok. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire avant. Maintenant, j'ai quitté la Côte d'Ivoire il y a longtemps. Je crois que j'ai fait une deuxième vidéo. Je vais me prononcer sur... Parce que j'ai pas les infos. Le gars de MINUSMA là. Toi, tu es jolie là. Quand je t'ai écrit en privé, j'ai ton numéro. Je t'ai écrit. Je ne sais pas si tu es marié. Mon frère, si elle est mariée, bon, on n'a pas encore eu le temps même de causer. Elle m'a pas encore dit. Quand j'ai écrit là, Vicky, quand j'ai écrit à Vicky, elle ne répond pas. Moi, il y a fort. Et puis, je t'ai vu et je suis content. Pareil pour moi, tu as tous les go là, elles m'ont bloqué. Je ne sais pas si tu es go. Hein. Mais toi, quand je t'ai écrit, tu ne réponds pas à cause de Gbagbo. C'est tout ça là qui m'énerve. Donc, il faut dire à tes soeurs là, tous ceux qui m'ont bloqué là, c'est ça, non, tous ceux ou bien tous ces budgets. Même fin au fin qu'en bloqué, elle n'aura me débloquer. Vous allez voir, je vais aller doucement avec Babou. Sinon, quand nous bloquer Babou, avec Amira, avec Bakhmoud, en Russie, d'abord, Vladimir en bas. Privoisez-nous, Babou. Qui dit il a besoin de moi là? Demandez Kadé. J'ai pas l'argent de. J'ai 4 enfants. Voilà, une femme noire et puis une femme blanche. Donc, je peux pas, et puis ma maman est là. N'est-ce qu'à ouais, dis-moi, si c'est pour l'argent, là, ouais, t'es moulot. Ah, parce que j'ai pas dit non, on va se voir, et puis on va aller parler là-bas. Dès j'ai pas l'argent à donner à quelqu'un. D'abord, si tu es malin, faut prier Dieu pour moi pour que je gagne beaucoup d'argent. Là, on va régler ton problème. On va régler ton problème. Donc, Vicky, tu as compris, non? Voilà, toi, tu me parles, ça va. Toi, tu connais la politique. Mais toi, Luka, politique, tu as quoi de Amouna? Il n'y a pas ça dedans. Moi-même, mon patron, même, là, Guillaume, sur mon mentor, là, sa femme est bêtée. Hein? Sa femme est bêtée. Mais j'ai de la morale. Moi, c'est comme ça que je vois la politique. Ah, il dit, l'homme remarque, non, tu as parlé de Gbagbo. Et puis, Gbagbo, il n'est même pas ivoirien, même. Sa maman est ivoirienne. Mais allez, Bolamali, il est là. Tombao, si là. Et blené, parce que Nalatali Ningako, petit, pourquoi t'es décidé que la lérie là? Connais la vidéo qu'elle est là. Ah bon, petit bâtard. Ah, le président, il va bien chez les teints. Il va super bien. Sam. Le locatif. Il y a publicité qu'elle a en Fonga. Il y a publicité pour en Fonga. Et puis vous les... Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il a besoin de 200 euros. Il faut prendre, comme tu as écrit là, tu peux flasher et puis tu vas aller. Il était un problème réglé. Si c'est comment tu vas? À Salat. Merci beaucoup, Ibrahim.